Il y avait le gérant de l'exploitation qui nous expliquait qu'ils utilisaient le trèfle, justement le trèfle, pour pouvoir apporter de l'azote au sol. Parce que le trèfle, il a, comment on appelle ça, dans ses racines, il a des nodosités qui captent l'azote de l'air. Donc tout cet azote-là est stocké dans le sol. Et ensuite, ce trèfle-là, il le récolte pour pouvoir donner à ces animaux comme aliment azoté. Il y a aussi le maïs aussi qui apporte de l'azote au sol. Et ce maïs-là, il est en association avec le trèfle pour apporter beaucoup d'azote au sol. Ensuite, quand il a fini avec toutes ces cultures-là, le maïs et le trèfle, il remet ce pâturage-là en herbe. Il met de l'herbe parce que... Du raie gras. Du raie gras anglais, du raie gras italien. Ouais. Et cette herbe-là pousse vite parce qu'il y a de l'azote dans le ouais, sol. Ces herbes-là ont besoin de beaucoup d'azote. L'azote, ouais, pour booster le démarrage. Voilà. Et ça donne encore de l'azote aux animaux pour qu'ils puissent avoir une bonne croissance. ¿Puedes explicar cómo es nuestra explicación, nuestra explotación? Uh-huh. Ah, sí, sí, sí. Hola, buenos días. Habla francesa y española. Me llamo Dana Frederica. Visito el exploitación de la señora Elia Rodríguez. Fincas Fadegas. Es una exploitación de 2 hectáreas. Sí. La exploitación ¿Cómo se dice plusieurs? Beaucoup, muchos cultura, tomates, patatas, pimientos, cebolla, robertina, judía, des choux-fleurs, on a des aubergines, des piments, mais plutôt poivrons petits, des haricots. Et des laitues et des pommes de terre. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme formation? Qu'est-ce que tu fais au lycée Matiti? Là, je suis en bac pro production végétale en première année et l'année prochaine, je suis en deuxième année. Et je suis bien tombée dans une ferme qui fait des cultures bio et ça m'intéresse beaucoup. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ben, j'aimerais voir mon exploitation et faire des cultures bio, mais c'est plutôt basé en production horticole et quelques fruits. Et si, bien pour arriver. Ah ben, comme là. Vous la faites pleurer là, la dame. Hein. Allez, va l'embrasser, elle pleure là. Venez comme costilla, quelle costilla quand même. Va la consoler. Allez. Elle pleure. Allez, costilla, parti. Allez, costilla, de la partie. Luego, Soldeñas. Ok. Gracias. Il faut pas oublier
visiter à l'intérieur. Bonsoir, content de vous retrouver, nous sommes en direct. Nous parlerons aussi du lycée agricole de Matiti, toujours en mouvement. Nous parlerons notamment de la mobilité, mais aussi nous mettrons en avant ces jeunes qui ont choisi cette voie avec nous ce soir. Stéphane Alfred, bonsoir Stéphane. Bonsoir Dano. Ainsi que Frédéric Loumeto, enseignante et aussi au lycée agricole et responsable de tout ce qui est international, hein, c'est ça? Oui. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, comment s'est passée la rentrée pour vous et vos élèves au lycée cette année? Bien, comme d'habitude. Et puis, effectivement, rentrée d'un stage en Espagne. Donc, on a mis en place, on a bien démarré parce qu'on a décidé de mettre en place des stages à l'étranger pour les nouvelles promotions qui viennent d'arriver. Donc, juste avant d'aller en vacances, effectivement, il y a eu des stages et des préparations de stages, que ce soit au Brésil, que ce soit en Espagne. Et là, on est en préparation, en fait, de différents forums sur la biodiversité à Macapá et d'autres événements qui vont se passer tout le long de l'année au niveau du lycée agricole. Alors, Pascal me dit, justement, nous avons des images de votre stage en Espagne.
un stage d'immersion mobilité. Vous y tenez particulièrement à ces échanges avec les pays européens. Oui, parce que le lycée agricole, en fait, on a 5 missions. La formation initiale, la formation continue, l'expérimentation et aussi la coopération internationale. Donc la coopération internationale fait partie intégrante des missions des enseignements agricoles. Ça permet aux élèves d'aller sur place, de s'immerger. Et là, c'était en agriculture biologique, se former en agriculture biologique. Donc on est parti avec Monsieur Modeste Raymond qui est enseignant en agroéquipement. Et puis voilà, donc on a passé 2 semaines à sillonner l'Espagne. Les élèves étaient 2 par 2 dans des fermes agricoles. Vous allez très vite, hein, là, ça se voit, les images défilent. Alors Stéphane, justement, est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de participer à ces sorties, à ces voyages dans les pays européens en pleine immersion pour pouvoir peut-être échanger avec d'autres jeunes? Oui, bien sûr. J'ai été en Espagne au mois de juin. Ça s'est très bien passé. Découvrir un autre pays que je n'avais jamais vu seulement, enfin, à la télé. Ouais. pendant les matchs de foot. Ouais. Ben, c'est un pays qui on a été très bien accueillis, franchement. Surtout en Galice, là où on était parti, dans des fermes laitières. Ça s'est très bien passé. Pour moi, ça a été quelque chose en plus de ma formation qui pourra m'aider dans mes études. Après. Alors Stéphane, est-ce naturellement que tu t'es dirigé vers cette voie ou bien est-ce que tu as été obligé un petit peu? Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir choisi le lycée agricole? Non, je n'ai pas été obligé, pas du tout. Ouais. J'aime les animaux, surtout les animaux de la ferme. C'est pour ça que je veux être soit vétérinaire, soit prof de zootechnie comme Madame Lometto. Ah d'accord. Alors Madame Lometto, inquiétez-vous, parce que Stéphane arrive. Alors justement, après tes diplômes, après tes études, tu voudrais donc effectivement embrasser une carrière de vétérinaire ou bien encore d'enseignant. Tu as déjà fait un choix, tu sais exactement, commencer peut-être par l'enseignement, après poursuivre. Ben, je pense commencer avant pour être vétérinaire et après l'enseignement. Alors justement, te retrouver dans une famille, parce qu'effectivement, dans la famille, on a toujours travaillé la terre, on a toujours été au contact des animaux, ça t'a encore poussé beaucoup plus facilement justement vers cette voie. Oui, bien sûr. Il faudrait qu'il y ait ses béfins maintenant. Alors Frédéric Lometto, on va revenir un petit peu sur votre lycée agricole parce que je sais que vous avez plein de projets et vous avez notamment créé de nouvelles filières à la rentrée de 2009. Ah oui. Si vous avez un appel à lancer pour les jeunes qui regardent et qui pensent peut-être qu'il est difficile d'accéder justement à de telles études en venant auprès de vous, qu'avez-vous envie de leur dire? Déjà, l'enseignement agricole, on a cet avantage d'être vraiment ouvert à tout. Comme ils l'ont dit, ils sont allés en Espagne. Il y a une partie culturelle, mais une partie formation stricte, mais une partie culturelle aussi. On a en fait un CAPA POM qui commence parce qu'on a une formation adulte aussi au CFPPA. Donc il y a une formation qui va commencer là en octobre. Et là, actuellement, en cours, on a un programme qui s'appelle Comenius Partenariat Scolaire. Nos élèves vont aller en Angleterre et c'est Mademoiselle Mirella de Gras qui est l'une des responsables du projet. Ils vont aller en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Espagne. Et ça voyage beaucoup chez vous. Hein. Bah oui, ça va être lycée agricole. Option voyage, pourquoi pas. Mais si tu veux commencer. Voilà. Je me lance dans l'agriculture. Voilà. Mais voilà. Se lancer dans l'agriculture. Il y a des formations pour adultes, absolument. Et donc, effectivement, il y a aussi Elta qui est partie à Macapa avec le directeur et un enseignant pour le séminaire sur la biodiversité qui aura lieu l'année prochaine pour l'année de la France au Brésil. Voilà. Donc, effectivement, on essaie d'avoir beaucoup d'activités en dehors de leur formation et puis les résultats sont là. En tout cas, nous sommes toujours avec vous, Frédéric Lometto et bien sûr les jeunes. Et Raymond notamment, vous qui êtes venu sur le plateau, merci beaucoup. Bonne soirée, nous viendrons vous voir un jour au lycée agricole de Matiti. Les élèves du lycée agricole de Matiti continuent de cultiver leur relation avec l'Europe. Depuis 2006, l'établissement participe à plusieurs programmes d'échange avec des lycées du vieux continent. Après le Portugal l'année dernière, les lycéens guyanais débutent donc un nouveau cycle de rencontres. Jean-Gilles Assard, Franck Fernandez. Parks are necessary. Dernier cours d'anglais pour les élèves de la seconde sciences et technologies, de l'agronomie et du vivant au lycée agricole de Matiti. Sur les 2 années à venir et par groupe de 6, ils iront en Europe à la rencontre de leurs homologues. Les premiers partiront du 19 au 26 novembre prochain en Angleterre. Ils rencontreront non seulement des Anglais mais aussi des Italiens, des Allemands, des Espagnols et des Hongrois. Une expérience inédite pour la grande majorité. J'attends une bonne visite là-bas en Angleterre, pouvoir parler avec mes camarades en anglais, pouvoir développer mon oral en anglais et j'espère que ce sera bien parce que je ne suis jamais allée dans un pays étranger.
Ils vont profiter de ce voyage pour non seulement améliorer leur usage de la langue anglaise, mais aussi présenter leur pays et leur établissement. Pour qu'ils sachent comment est la Guyane, pour qu'ils se fassent une idée, on a fait un PowerPoint. Et dessus, il y a des photos de la Guyane, l'histoire de la Guyane, et tout ça, on l'a fait avec les profs. Outre cela, les élèves vont également travailler sur un questionnaire permettant de mieux cerner leur vision du lycée idéal. Cette enquête intéressera également les professeurs et les parents. Les conclusions devraient être enrichissantes. Ce projet scolaire, dénommé Comenius, vise à augmenter la dimension européenne de l'éducation scolaire à travers la coopération entre établissements du vieux continent. Une aubaine pour des élèves souffrant de l'enclavement de notre pays. L'objectif, c'est de leur montrer que la maison n'est pas une prison. Parce que souvent, les jeunes, quand ils quittent la Guyane, ils se disent « je suis parti, je ne reviens plus ». Si on donne l'habitude aux jeunes de partir et de revenir, ils seront d'autant plus heureux de revenir à la maison tranquillement, sans s'inquiéter, en sachant que finalement, le monde leur est ouvert et que on est bien chez soi, même si on va ailleurs, on est toujours content de revenir. Ces échanges permettront à nos jeunes de s'ouvrir vers l'Europe. Et comme on dit, découvrir l'autre, c'est aussi grandir.